Bon, le col a fallu à bêta ka fikin, hérité par auto bêta fikin, tout comme on comparait des fikin noana. Le col hérité auto bêta fikin, Fabrice Payo bêta fikin, dans la même période, tout comparé en haut. Du coup, Baptiste, c'est pas comme on sent la moins forcing. Toyebi, bah, on va fikin, on est comment on kende, bobeti, 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 première chanson, deuxième chanson, troisième chanson, vous fumez la porte. Vous tirez pas tout bas côté, parce que vous tenez à tout pour que tant drone et matalicolo, et qu'on a plein. État d'esprit mortel 06. Pour parler CLO, c'était maintenant devenu une obligation. Il faut embasser l'on émission à clasher Fali, à clasher Ouera. Bah, même que Bengi Moutavivara n'a pas assez. Donc, il faut qu'on enregistre à Tonga, Ferre, ton héritier. C'est tout ce qui tourne autour de l'artiste. C'est le entre nous, soit dit. Moi, plutôt, j'aime ce qu'il nous perd le quoi résolution. Jusque-là, ça ne se sent pas. Mais il suffit aux amours aigles, au monde en haut. Ok. Ou à percevoir de loin et le croiront. Les griffes du tigre, Bamanzaka, le tigre, tout ça là, Romo Lobelavango, Inosbi veut se créer fanbase, mon copain. Ou bas à la forte, ou bas à stable, ou bas à nos sombaye, ou bas à nos consommer, sans pour autant, bah ou t'as pas bah artiste et moussous. Inosbi veut vivre comme les warriors disent, Fali ou rien. Il va commencer à compter sur ses propres fanatiques à lui. Parce que les vrais problèmes qu'a connu Inosbi, c'était quoi? Il fallait que les fanatiques de Ferre soutiennent, les fanatiques des héritiers soutiennent, les fanatiques de la comment il s'appelle, Céléo soutiennent, tout ça là. Parce que bah, yoka na raté na Fali. Dibwe Group, une société qui permet depuis un moment aux Congolais et aux expatriés vivant ici ou à l'étranger d'acheter la terre également, de construire ici en République démocratique du Congo. Ici nous sommes installés dans le quartier Kindobo, ici là où se trouve le site qui appartient à cette entreprise Dibwe Group. Ici il y a possibilité d'acheter à crédit. De la position où je me trouve à l'extrême gauche, c'est là où on a enterré les feux Étienne Tshisekedi. Extrême droite nanga aboué, et ali nzela ezo permettre bino bomona kingakati bo avancer vers cimetière nécropole et puis na sima macadam ezali somba tonga exploité mais ko somba wana il y a possibilité il y a ko somba par tranche, il y a possibilité ko somba à coup direct dans sa dopesi mona onyonso ba pesi o mabele, il y a possibilité il y a ko somba o tonga ngo male male o sala lotissement o sala mise en valeur o clôturer. Au Rosomba Mabele et Bele, au 20 sur 20 ou plus. Tout y est. Il y a l'eau, il y a le courant, parce que vous voyez que le coup là-bas, ça va mousoler, donc courir comme un gros facile. Bon, nous avons des terres et des espaces à construire, à exploiter. Dans la commune à Limete, dans la commune à Mongafou, dans le quartier, Mboudi, quartier également Pompage, en tout cas. C'est à vous de contacter l'entreprise de Dibwe Group. Bonjour et bienvenue à tous nos abonnés, à toute la famille AMTV Mayerve. Je pense que vous allez bien et puis nous avons les gens qui bien sont et les gars qui bien en Golo ensemble. Bah je recommence vraiment un retard pour que tout compte à 2022. Voilà, je vous souhaite bonne santé, richesse, d'union fort et malamou. Et ça épais ça m'a bien en 2022. Tout compte à calater derrière la caméra c'est Glody, mais ça mon invité c'est Thierry Mombaye l'excellent. Si la réalisation peut déjà m'aider à lui dire bonjour. Bonjour excellent. Bonjour Adassa. Bonjour et merve à toi également, merve à tous nos amis, téléspectateurs, abonnés, non abonnés, Boutalabiso partout, besoin, mais en tout cas, bien des bonnes choses, Nabino, et plein de succès, hein? Bonne année 2022, la bonne connaissance, voilà Nabiso. Noël, il est comment? Ouais, on a rythmé un beau cas, c'était une journée ultra chargée de mon côté parce qu'il fallait honorer le Noël et Zalarad. L'invitation est là de partout au monde. Hein. C'est parmi les jours, en tout cas, Bandego, en tout cas, Lélo, au moins tu dois te reposer. Parce que nous, en fait, le travail est devenu comme une amitié, comme une relation d'attachement. Donc, tu auras toujours tenté au salaire à émission, ou tourner caca, au salaire à moi concert. Parce que bon, après, voilà, mais il y avait quelques invitations, les cannes bien. J'ai vu les familles fêter, j'ai vu les enfants sortir. Parce que Kinshasa s'appelait. Le gouverneur Gentilin Ngobilamba qui a décoré là, qui moi limité, moi au boulevard des 30 juin, moi qui tambo magasin, ils ont parmi les bicycles, tout le monde va bimé. Donc dans l'ensemble, Noël Nanga, il y a bande de congolais, j'ai parié que les cani bien, sauf que
nous continuons à compatir avec nos amis, nos familles de l'Est. Bandeko Batana Bé, il y a eu des tirs encore. Donc je pense que voilà. Donc neto lo barana nga ya illustration nzoto so musapizo kinga nazaki na bon malgré Noël mais nazaki na problème na liboko liboko nanga zaki immobilisé. Tu sais j'ai fêté. J'étais vraiment dans la joie, bo beta masolo bo seka, ça dit la joie mais tu sens qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ton corps. Pour liboko nanga et ben non ça la bien té na comment il nazaki bazaki même obligé ba immobiliser nga ngoti ko bouger pour na passer dans une journée bon et puis après na zone nanga ko bouger. Ça dit une partie kaka ya nzoto zaka liboko o msapio. Mais nzoto mobimba et sentir le l'eau moko manqué. Alors je ne vois pas comment est-ce que nous allons parler Noël pendant que bande ko na biso na est ya mboka ba kana ba mikolonga ba fête ne ba ngi liwe komi et ce qu'on observe au mona ke ça moi 5 ans déjà hein, chaque fête au monde qui va jouer en haut et comment va jouer au monde choisi par les terroristes pour tuer les gens à l'est du pays. Donc nous compatissons avec les familles qui sont touchées, les familles qui ont perdu les leurs. Et même n'a pas n'a coufi c'est ça les mal dans tout ça. Mais ça jour en fait mon toi en attendant moi bisou on a kin nous n'avons pas vraiment cette culture na mona en haut plus na ba intérieur hein, au monde bon na habiter pour qui non que n'a pas n'a mené les ba période ba fête. Je ne sais plus voir les canards. À l'époque, quand on habitait encore à Matete, à Yolo, c'était vraiment l'époque de la fête où on a décoré la venue. La Bible, on a dit que c'était une table. Si on a eu le temps de faire une table, on a en famille, en fait, à venir. On a eu le temps de faire voilà, donc c'était vraiment une convivialité. Maintenant, si on a eu le temps de faire une table, on a eu le temps de faire une voisine, on a eu le temps de faire une bête. Facilement, on a eu le temps de faire une bête. C'est ce qui fait le plus mal dans ma mambo isa yangwana. Mais après ce qui manque c'est la sécurité. Donc la solution est ça va rassurer la sécurité à ya banégona so bazana est en boka ma mambo tobe ton souté. Mais ça fait mal en tout cas, j'ai compati à toutes les familles qui sont touchées. J'ose croire que bangum baza kuna ba ebi mieux ni nous les cannabis tout compatible. Parce que mon père ba vidéo na atindenga force plus ou moins 5 minutes. Abi batu bazoya bazol ba ke biso kimizali. Tota ma mambo zo lek. Non, wana. Natanga likambo to s'abstenir na koloba makambo soso. Je m'abstiens. Mais wana, je pense que ça bato bazou bato. Adasa, ta situation. O yum to vivre. Ma situation, o kam na vivre. Sa situation, o yum to vivre. Mais comment on peut être tolérant au point que c'est moi qui dois expliquer ta situation? Non, mais entre nous soit dit. Moi, c'est à un moment donné, je commence à responsabiliser nos amis qui sont de ces coins de la République. Tu vis à Goma, tu es des Beni, tu vis à Massissi, à Minembwe, je ne sais pas moi où. Mais il y a des atrocités qui se font là-bas. Mais tu verras un Kinois, quelqu'un qui vient de Kinshasa pour expliciter sur ça. Que non, après, depuis l'état de siège, on sent vraiment qu'il y a le calme, on sent vraiment que tout s'est arrêté, les atrocités, on n'en parle presque plus. Non, mais attendez, comment expliquer ça? Toi, tu es là, tu vis dans ça, tu peux hausser ta voix pour parler. On aurait appris, je dois le dire comme ça, que sur place, dans la boîte, il y a ce qu'on appelle la cuisine interne. Il se passe tellement de choses que voilà, certains journalistes même de la place, certains habitants de la place ont du mal à dénoncer ouvertement ce qui se vit là-bas. Parce qu'après, je dénonce aujourd'hui, demain, je serai visité la nuit par des personnes non entièrement identifiées qui vont peut-être me terroriser, me tuer ou me menacer, genre, bon, ok, comme toi, tu t'es décidé de dénoncer ce qui se vit ici, ok, je vais tuer ta fille. Demain, continue encore. Je reviendrai pour tuer ta femme, ainsi de suite. En fait, on aurait appris, j'ai dit ça comme ça, au conditionnel, que c'est ce qui se vit là-bas, c'est ce qui se passe là-bas. Mais après, moi, je pense que quand certains se tapent les luxes de monter au créneau, passer dans des médias pour dire que voilà, il y a les calmes actuellement ici, je pense que ceux qui sont sur place peuvent aussi dire le contraire. Bon, après, tu dénonces, on te tue. Tu ne dénonces pas, on va te tuer. Parce qu'on ne sait plus quand est-ce que les malheurs vont s'abattre sur toi. Aujourd'hui, c'est dans les coins A, on tue là-bas. Qui sait peut-être demain ou après-demain, ça sera le tour, ton tour, par exemple. Tant mieux dénoncer et partir clean. Parce qu'à mon humble avis, je pense que quand les présidents du Parlement, les présidents de l'Assemblée nationale, M. Christophe Mbosso, avait dit que quitter les groupes rebelles, les groupes armés, c'était un message verrouillé, je dirais. Mais après, ceux qui vivent là-bas comprennent, connaissent, je dirais même les méandres de ces messages, la quintessence même de ces messages. Parce qu'après, entre nous soit dit,
on vous interdit quelque chose, on vous prive aussi la liberté d'expression. Sous prétexte que si je dénonce, on va me tuer. Mais ici à Kinshasa, il y a un discours qui est politiquement utilisé pour dire que voilà, tant soit peu, il y a une petite évolution à l'est du pays. Grâce au Kinshasa, il y a une box. On a rappelé que non, tout le monde est dans les médias. Il y a un peu de lobby. Et il y a un peu de temps pour les gens qui ont Kinshasa à la zone. Parce qu'après les politiques, les députés, comment les politiciens. Parce que les députés de l'Est aussi, c'est certains parmi eux appuient ces messages. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, tout est comme irrécupérable. Puis tout ça, il y a des pèses. Puis tout ça, il y a des PRD. Puis tout ça, il y a des UNC. Je ne défends que les partis politiques. Mon quand on a ça, là, toi, ça, là, je défends. Mais quand vous allez en haut, vous allez en haut, je défends. Tant mieux, prendre une position citoyen du coin, et je dénonce point parce que, surtout quand tu as même un mouvement citoyen et autres, à dans ça, il y a à boire et à manger là-dedans. Le mouvement est corrompu. Aussi, il faut besoin protéger tout le monde. Même quand ça ne marche pas, tout est mêlé. Même quand ça marche, tout est mêlé. Au lieu, quand ça marche, toi accompagner vision, toi rendre visible les macambo. Voilà pourquoi même quand on disait bah, bah, musicien, c'est vrai, les gens qui descendent là-bas, mais tout ça, c'est limité au Wapi. Dans la ville, dans la banine. Mais ce qu'on a dit, c'est bien. Mais sur l'endroit où Kazaki est, sur un village moko proche, ceux qui animent tout ça, donc c'est ça fait très mal. On est à Kinshasa, oui, mais tant soit pas, on commence à comprendre ce qui se passe là-bas. Et ce que moi j'apprécie actuellement, mes amis. Hier, c'était les Kinois, voilà, Bazarana regard Penzate sur la guerre à Est. Parce qu'au final, photo le bango, c'est les ponts n'existaient pas entre les Kinois et nos amis de l'Est du pays. Ton nom on a bango le quoi Batumoko Boy. Mais aujourd'hui, à l'est du pays, ils connaissent tout ce qui se passe à Kinshasa. À Kinshasa, en tout cas, tu es bien sur les Kanakuna. Au moins, tu peux te couper le tu peux revenir sur ça. Ce peu baboui, à la minute près, tu es informé à Kinshasa. Donc, il est grand temps que tu profites des liens qui existent actuellement pour développer familiarité. Qui sait? Peut-être la solution va passer par Kinshasa, d'autant plus que Kinshasa, c'est un centre et une institution, c'est la capitale de la République démocratique du Congo. Sinon, on a un bon débat. C'est vrai, Dieu est au courant de ce qui se passe, mais un bon débat. Voilà. Et ça, il y a bien été. Vous avez fêté. Vous avez fêté. C'est ça, le mal. Et puis, c'était, je pense, la nuit. Et là, qui n'a pas quoi, non? Nous, l'île de Gécoti, on va profiter d'un moment où il y a des propices pour d'abord, pour frapper. Donc, c'est très compliqué. Ça fait mal, mais nous avons pas bon. Voilà, Thierry Mombaye, on a eu le temps de décortiquer, je peux dire, conférence de presse, la sortie médiatique, il y a Kofi Olomide. Mais il y avait un point, quand on a dit au révisé, on a un monde qui pourrait m'entendre bien qui est hanté. C'était prévu qu'à ça, la réédition, à faire ce que c'est naïf. Tout le bien qui pourrait en hanté. Hier, à réédition, il y avait un musicien qui a, enfin, dirais-je, au Congo. Et là, qui le voit, mon mystère. Parce que tant qu'il fallait que ça a annoncé réédition, tu as considéré que c'était mon dernier. Tu as considéré s'inviter et on voit que ça, la réédition, pour renforcer le boué. Et aujourd'hui, qu'on fait le mdé à l'ingas sa réédition. La monde regarde, tu as changé la réédition, en bas réédition. Bon, moi je pense que s'il faudrait dire en termes à réédition, les regards des Congolais et tout ce qui va avec, dans l'ensemble, les temps et les meilleurs alliés de l'humanité, pour ne pas dire de l'homme. Parce qu'avec les temps, on finit par comprendre la vraie identité de tout et chacun. Avec les temps, on finit par comprendre la véracité de certaines versions. Avec les temps, on finit par comprendre, je dirais, la nature de certaines personnes même. Au moins, il y a un autozo kemba kemba nan oboye, tout ça là. Puis après, je suis très courtois, très proche des gens et tout. Mais un temps, on roule aussi moi à 500. Au moins, on a besoin que, ok, comment définir un peu ma classe. La classe nangate, la classe. C'est pas mauvais en soi, mais après, ça t'aide à redéfinir la nature humaine. C'est-à-dire, voilà. Tout dépend d'un temps. Mais seulement s'il faut rentrer dans la logique de ma musique, Nabiso, moi, à mon humble avis, je pense que Fally n'est pas le premier artiste à avoir réédité un projet. Voilà. Je dirais un album. Mais comme j'avais dit l'autre fois, nous faisons face à un problème de termes. Les côtés professionnels, les côtés moins professionnels, pour ne pas dire les côtés pas professionnels. Et ça dit que, des fois, on fait des choses qui sont définies ailleurs. Mais par manque de définition, par manque de justesse, tout ça, là,
tout un combo et puis tout un autre moko. Ici, je vais dire à l'époque, mais il y a certaines chansons qui remixent. Ici, na Congo, il y a Batumsusu abimi ce album. Abimi ce projet mobile entre l'autre projet qui doit venir. C'est-à-dire, je sors un album en 2020, je dis que je vais sortir les prochains albums en 2022, mais en 2021, je sors un projet. Bon, par manque de situation, je ne sais pas où situer les projets. Single là, maxi single. Déjà maxi single en vrai ça n'existe pas. Parce que quand on dit par exemple single, single c'est singleton. Et le quoi moko, l'unicité, c'est ça le single. C'est-à-dire na bin c'est loko moko, il y a single. Mais aussi tu es comme mi balé, ça doit avoir une appellation appropriée. En forme, et ça album. Okay. Mais à fond, nous sommes tombés dans un épée. Parce qu'ils ont contenu juste quelques petites chansons. Ils ont quoi moi épée, mon robot. Mais forme dans les albums, fond dans nous, ils ont une appellation appropriée. Chez nous, ici, par manque, il y a professionnalisme, appellation appropriée. Ton nom est Nina, Maxi Single. On a vu des grands artistes de ces pays dire je sors un Maxi Single. Maxi Single, ils ont moi quatre chansons génériques. Moi, la deuxième, je suis en train de me dire que je suis en train de me dire moi 5 chansons, 4, c'est-à-dire on a vécu ici avec ça, on vit avec ça. C'est aussi le problème avec la réédition en fait. Ici on a du mal à vivre comme les choses et au Kenya. Et loko yo sale. Loko nga sala ngote. Mais aussi que je ne maîtrise pas, je dois sans plus tarder passer la critique. C'est-à-dire nous allons passer toute notre vie à critiquer. En lieu et place, soit d'observer et apprendre, soit de me taire et laisser le temps faire le reste à Yamoussala. Voilà pourquoi mon histoire est comme une maman ridicule, genre que je suis contre, je critique, et puis nanana, le temps vient me rattraper, paf. La personne que j'ai critiquée a eu raison, simplement parce que je n'ai pas critiqué ce qu'on a battu et ce qu'on a ignoré. Kofi Olomide m'a réédité la. Je dirais les classiques de son carrière et de son parcours et de sa carrière, c'est parmi la meilleure décision qu'il a résolue qu'au soi. Parce que entre nous soit dit, les langages qui courent les rues, souvent à l'année, la linga Kofi, la personne de Kofi la linga qui la linga ka banzembo naye. Mais ce qu'on lobby banzembo naye en haut il y a linga kawana, a kuki kotengelo. Jamais bah, présent naïe, sans Simba passé. Naïe. C'est-à-dire les anciens succès que nous appelons ici, mais que moi j'aime bien appeler les classiques de Kofi Olomide. Sa musique classique, la panoplie bah, classique à l'Anangoua. Et revisiter ses chansons ou faire réédition, maintenant on doit se poser la question. Dans la réédition, c'est comme si je n'avais pas dit que j'avais un album Rive Gauche. Dans la réédition, l'album Rive Gauche sorti les années 80 quelque chose, mais dans cette réédition, c'est différent qu'on remixe Banzembo Yakala. Pourquoi j'ai commencé par parler des manques et des termes appropriés et puis parler de la réédition? Parce que si Kofi aujourd'hui se décide de faire la réédition, dans la réédition, il ne sera pas obligé de refaire des anciennes chansons, mais plutôt de nous donner des nouvelles chansons, mais pour les comptes de l'album X ou Y. Parce que pour mes amis, ce qui te crée confusion et prêter sur confusion à bâtir tout le bas, fallait dans une sa réédition, tu considères, faut que tu aies sous bas, bande de moyens maquit, mais tu considères, mais à bander les angois selon une dernière chose. Là, ben les a sous réédition t'es, et comme bah remix, tu comme bah revisitation à bande de. Mais ce qui te joue bande de monnaie y a cala, et que non ça la réédition, y a l'album par exemple, loi. Na loi na na zinze mbolokwa mokuwa hein je pense mokuwa za na loi soko zangi mokuwa ngo na bandelango mais avec l'ossature actuelle mais na réédition nanga ba remix pesa na kati là ça s'explique là on comprend réédition risque ezala ko fait bimisi banzembo par exemple 10 chansons moko boye na kati wana asimbi 5 classiques na na 5 yasika alors ça réédition mais on va se poser la question réédition la réédition de quel album. Voilà.
risque est-ce qu'on place et prêter sous confusion ma casse yangwana. Voilà pourquoi on a partagé à vie dès le départ pour dire que non, bah, tu vas comprendre. Mais c'est plutôt le temps qui nous rattrape parce que le temps a souvent raison sur nous, les humains. Tout le monde est là, parce que c'est là que donc, je souhaite plein succès à Koffi Olomide, mais j'aimerais, simplement parce que c'est une légende de notre musique, simplement parce que c'est l'icône de notre musique, simplement parce que c'est une personne qui est trop élevée en dignité sur le plan musical, musicalement sur le plan africain, allais-je dire. Ça implique beaucoup de choses. Il doit vraiment le faire d'une manière professionnelle parce que ça aura moi mis sur ya batebeli konango. Vous savez, aujourd'hui, il faudrait qu'on se le dise. L'image que les gens avaient de Koffi Olomide, à l'époque où ils nous jouaient la musique rumba ou tout comme ça, on va classique les lots, et l'image que les gens ont aujourd'hui de Koffi Olomide, elles sont démontées. Et elles sont démontées à mon côté. Au moment que il s'est davantage rapproché des gens qui voyaient Koffi Olomide comme une mythologie. C'est-à-dire, ils ont encore la mythologie, mais Dieu moi existe en Congo, avec ta musique, moi soyez tout comme bande de puis il est reparti. Mais c'est beaucoup plus les Congolais qui ont censé Koffi, c'est beaucoup plus les Congolais qui ont imposé la musique de Koffi Olomide chez les étrangers. Mais aujourd'hui, les gens se sont accaparés de Koffi Olomide. Les gens se sont appropriés la musique de Koffi Olomide. Du coup, même quand il va revisiter la chanson déjà chantée, quand il va rééditer les albums déjà disponibles, ça va créer une autre image dans la tête des gens en fait. Du coup, il a vraiment intérêt à s'y mettre très professionnellement dans ses projets. Et moi, je pense que ces projets vont encore faire gagner Koffi Olomide. Tout ça, awa. Même bateau, balingarabanze, moni, parce que il y a un problème qui existe à Dassa. Tu sais, il y a certaines chansons qu'on aimait à l'époque à cause de remix en Tobayango. Oui, qui version remix, qui qualité, qui cœur, c'est pas le plus original. Mais il y a certaines chansons remixées. C'est pas le remix. Oui, qui remix, le lobby. Remix, c'est le qui original. Il y en a plein, ah ouais, surtout au cas de musique, surtout apprécié. Même les fanatiques de certains artistes auraient pu dire que je préfère encore la version remixée que la version originale. Moi, étant humain, je me dis que j'aime bien. Mais version remix, je dis que beat. Babaki sama ba vocal ekota na kati la sayembi Joe loke sayembi omona et juste encore plus de vie et comme encore on a plus de vie elle nzi mobwe jeune mobwe ya Lubumbashi na se pene pe ming na mona ko asigné kuna Sony Côte d'Ivoire ba benga ngai soin tema so na bosante nzi mo auto msa si banane ay ma kon ye moko na freestyle mais remix na mo ba sali ngo et comme sou et comme kitoko fait. C'est-à-dire il y a certaines chansons quand on remixe ça et connaître un apport ya batomsusu bazaki te liboso et j'ai plus de vie et j'ai succès. Je prends ici un exemple. Biso tout olinga nze momo ya Jean Gobal Elou et za rumba boy. Mais ça remix. OK. Otoye biwane za remix parce que la version originale Jean Gobal avait mis ça avant, je crois c'était dans l'album il y a HT sur la bosse entière, il y a des albums là. Il y a même ceux qui ça donne une vie, une autre couleur. Donc, moi, je pense que Koffi Olomide, c'est une très bonne décision. Seulement, on doit être un peu plus clair dans les termes. Genre, remix, il y a Banzé, Mwakala, tout réédition, il y a l'album, il y a Kala. Parce que surtout qu'il y a un terme à réédition, on aura plein de choses à proposer. Déjà, par exemple, un album qui a connu les concours de Suzuki Luzubu, de Sam Chintu, de Modogwa Barambwa, par exemple, d'Eric Touti, un album qui a connu les concours de ces gens-là, moi, à mon humble avis, je pense que Koffi Olomide, s'il faudrait qu'on propose des choses, je lui dirais de revoir avec ces gens-là. C'est-à-dire, le quoi, album, moi, c'est qui, la couleur, il y a voix, le zoubou, la couleur, il y a voix, il y a son mot, non? Il y a cœur, il y a bisou, il y a Eric Mente, Eric Touti, Sam Chintu. Petit beau, venez, bon, tu as un mot de chambre, et ils ont raconté l'album, on a tout aimé. Par exemple. Puis après, tu as comme sous-version,
y a bah Ombali passe par exemple, bah Yembi, ça va créer la coloration d'une autre manière et ça la paix sous complice. Donc moi je pense qu'il faudrait qu'on commence d'abord par être clair, par avec les termes et puis passer à autre chose. Et ça bah remix to réédition. Réédition. Voilà. Thierry Mumbaya hier c'était dimanche. Ouais. Malgré je ne l'ai pas compris. Semaine où ils ont des dimanches. Et non, tu n'as pas été ce qu'on a comporté les mardi tout lundi. Deux ans, Marlin. Pour des ans, Noël est tombé samedi et ils ont été festif. Du coup, nous sommes allés à la tombe et yenga. Dimanche, nous sommes allés à la tombe et parce qu'ils ont été au Tokendaka, au Sambo. Parce que Noël est allé à la tombe. Donc, il s'agit que dès le week-end, il s'agit que samedi, il sera déjà week-end, et quand il y a fête, dimanche, tu mets le jour moro festif, du coup. Il y a un bruit fort, non, il y a un bruit lundi. Parce que c'est un bruit, Noël est tombé lundi, la bonne année. Samedi, il y a une élection de week-end, dimanche, il y a une élection dimanche. Lundi, il est bloqué. On est comme on a trois week-ends. Hier, comme d'habitude, dans notre émission à PM, on a Fabregas, mais ce jour, il y a une côté informatique. Ok. Écoute, on a été bloqué dans le la Fabregas d'un petit peu de ça. PM a salté qui est bloqué dans le bim. Bon, espérons qu'il soit liqué par des comme sous le quoi, bah, Nati, le quoi. Fab, moi, tu es sous tes missions, ça là qui n'a pas toi là. Abimis est bleu et belle. Donc, le bas quand même, on a analysé que Fabregas a tout le monde fait expliquer, bah, il était écouté dans le coup là. Ouais. C'est une très grande expérience à ça. C'était important, Abimis a bleu. Bon, allez, quand t'as pas joué, Bangato, j'espère que tu as joué. Mais moi, qui est ça va plein. Donc voilà un peu. Mais c'était pas mal comme émission. Dans quelques points, on a arrêté. On lui a posé la question ce qui un jour, bah qui me m'a mon lobby que vous êtes Adassa. L'histoire de la musique congolaise, c'est il y a ils ont gardé patrimoine né comme il est loin à Rumbango, mais la musique Rumba connu beaucoup de choses. Si aujourd'hui on reçoit Fally pour passer un plateau en Côte d'Ivoire et puis va tourner une question sur qui m'a ba musicien Fabregas, Fally tant à répondre à Bible, surtout à ceux surpris dans le bloc en Athènes à Congo. Il parlait de Fabregas, Robinho, Depli, ah, ça vous a fait parce que Côte d'Ivoire fait, va te faire Bakima. Mais il y a Bissot et comment le coup là, appropriation de salaire au Kim, ça va m'y servir. C'est-à-dire, moi, je pense que Fabregas n'est pas le premier artiste au Bamissien Bakim, mais le premier leader, allais-je dire. Mais aussi, revenant sur les faits, revisitons les périodes qu'a connu la musique congolaise, la période Nyonstouana. Kofi Olomide s'est juré à une certaine époque quand on se sous ma musicien Moussouti dans la ville. Ok. Mesdames et Messieurs, l'Académie a été Ndoki, on a vu Brompe la Kozonga, parmi les filles, on l'a vu Kozonga, on a vu Batuloko là-bas, Sam Tintou, avoir un climat de paix avec Kofi Olomide, tout le monde a Suzuki na Kofi, tous ces gens-là ont composé l'Académie. Ils ont cherché à ce que Kofi meure. Na Congo Awa, à l'époque nous étions encore fanatiques de Kofi Olomide. Bon, je le suis jusqu'à présent malheureusement, mais à l'époque nous étions encore des fervents fanatiques. C'est-à-dire pour Kofi Olomide on pouvait faire beaucoup de choses. Oh mon âme. Bissot étant fanatique à l'époque, on détestait ces gens-là. Parce qu'on voyait na misu na bango, na agissement na bango, na comportement na bango, vouloir descendre la carrière de Kofi Olomide. Et qu'est-ce que Kofi tenait comme propos à l'époque? Au moins, on a placé à compliqué. Donc, Fabregas n'a laissé que parler son cœur. Pour l'instant. Un cœur amertri. Un cœur meurtri. Un cœur qui fait mal. Un cœur qui saigne. Oui, bien, les vrais retombées, comme tu viens de le dire, qu'il n'a pas tout dit. Par rapport à peut-être à autre manière, on s'attendra à l'aube et tout. Mais j'ai parié que sur le plan organisationnel, Fabregas court un grand problème, un grand danger. Vit une sale expérience. J'ai dit tout à l'heure une très grande, mais aussi sale expérience. Partant et en termes, l'idée, enfin, il m'a mis un apôtre. J'avais dit ceci l'autre fois que
il pourrait tout peut arriver avec ma patrimoine, ma maman belé belé. Il y a une certaine possibilité que les choses puissent changer. Et tout peut changer à n'importe quel moment. Admettons que 2022, Tito Bumato, 2023, paf, que le calme s'installe. Ok, maintenant, il faut que le ministère passe dans la photo. Je suis là pour que les gens ne soient pas en train de se faire. C'est-à-dire qu'ils vont renforcer la sécurité. Mais si on a un problème, on a un antécédent, c'est ce qui fabrique la vie. Maintenant, quand vous posez une question et entrez avec Batouana le lendemain, des fois, avec ce qu'on vit dans le présent, on a du mal. Il y a un regard sur un avenir meilleur. C'est très difficile. Tu sais, il y a les Bayenemia, les lots. Bah, comment ma partenaire à l'Obit? Moi, je suis Bunda, mais l'Obit, je suis un meilleur ami. On a connu des gens qui se sont mariés aujourd'hui. Mais si on avait été l'Obit, je suis un meilleur ami. Oh, bah, non, tout sauf ça. Là. J'étais une fois quelque part. Quand j'habitais en Tambasso, au Kembo Kampaya, bon, McDo, KFC, on a sangwa et à la hâte. On sait que place McDo à la ka, ok, tout ce qu'on a McDo, on a un bon abisso, on a la hâte, on a la poule mayo. Quand on a McDo, on a un bon abisso, on a un couple mobu, et tout ça, on a un baron de la caba offrir à manger, et tout ça, et tout ça. Mais peut-être une histoire, on a un bon débaling à la Congo. Basé installé aux États-Unis, je crois. Entre Canada et États-Unis, à Bosnie. Parce que ça date de. Sont à 4 ans passés déjà. Mais il y a une histoire là-bas. À l'époque, nous avons une émission ma solo, dans l'orbe ma solo sur la vie, la réalité, tout ça. Aïe, bah, écoute, un taxi. Bah, où est le transport? Dans un rond-point Victoire. Bah, tout le temps là-bas, soit là-bas. Aïe, bah, fin, on est pénalement semblable. Après un moment, bon, tu continues quand la pression et la taxi, mais tu continues déjà siko. Le calme qui s'installe, bah s'encourage, ah, en tout cas c'est rare, moi je suis humble au point que Asenga pardon, c'est rare moi si déjà ça m'a appelé à quitter t'arrêter, mais j'ai aimé bah échanger bah coordonner bah comment ça là, tiba lingani tiba balade tiba gavana libanda, c'est à dire soit partant de n'engue bah ébané là qui on pouvait tout voir sauf que qu'on soit nana kofinga na en public attends faut mettre chauffeur à taxi wana que bisous mon soit na ka il y a quelques années na car note a on dit maté. C'est-à-dire c'est ça la vie. Fabrice a tout ça là bah une mauvaise expérience. A même bah on a poto avec ta concert bazonga. Bien que ayebi que la musique congolaise pas qui m'a. Bah il va quand tu tournes pour na bah on. Bah il a tourné tu vois sur comme quoi ça les cas. Oh y a ça là. Et bah quand tu vas programme sous ce nom. Programme ni ni bisous toi il va programme mission de Kenya là. Tiens mon bah t'as le bim à campagne sur comme quoi ça les cas. Au fait, qui veut noyer son chien? L'accuse des rages. C'est vrai, les amis ils ont mal fait. Mais tout comme chasse on peut être coup tourné pèse à la qui tout cas tu peux à cause de bango on a raté chasse pas dans mai tourné à la qui mettoi qui na concert au Tobeta le 25 décembre na Kinshasa quand malgré de tourné à la qui tourné à la qui mais surtout l'année là par rapport à ma prévision déjà on n'a pas réussi les concerts à Lyon, on encourage point barre, mais c'était pas un concert genre réussi. Mais parmi les causes, on a accusé, l'organisation, parce que l'organisation, ils ont voulu babeta. Parce que contre courant, courant, ils ont été combattants. Ils ont nagé contre courant, ils ont bombé la salle. Moi, je suis battu. Ils ont battu sous. À cause, il faut fabriquer sa salle. Parce qu'ils prennent. Attention, on a fait un concert. Il faut fabriquer sa salle, ceux qui, une heure avant, pour un concert. Et pour une personne qui vit à Paris, à Oyandene. Pour une personne qui vit, par exemple, na Liège, na Limoges, tout ça en France. Mouto azaka na province na bakwana nyo soyan. Dans une temps par exemple, il y a distance que l'on a place aza, aya kuna mso ya désert du temps. Abongama, abima. Donc mon aké, c'est compliqué, mais Fabrice alobika na ça passe et a facilité et le auto vivre. Mais plus tard dans l'avenir, ba bon ça na bon. Moi je suis vraiment persuadé que ba bon ça na bon. Tous on a premier degré, tout ndima yango. Pour nous, quoi, ça passe.
avant que supporter tes bas tourner maman bâton le papier était un jour tout bon ça c'est comme ça que tu vas bon à poto pour que maman bande à coup après soit qui dans ce moment là qui est un qui dit moi et bien qui fille moi qui m'a c'est que ou l'a qui m'a abi alinga qui m'a mère ba fani ba biga ça musala bien il faut quand même qui des poto on ne peut pas même qui non mais il y a moins intérêt ben qui dans qui de moi moi son gâté voilà pourquoi on a intérêt à restructurer nos orchestres congolais et son abisson. Tu vas dire que tout est en train de se faire. Que nous avons un par exemple, dans Brazza, Ada a fait Zala pour faire tourner des émissions. Il va tourner en train de se faire. Mais tu es prêt à tout prêter et au Kena Yokuna. Vu les conditions, tout la réalité, tout position na yo na Moussala. Mais tu es mieux pour faire plaisir aux gens. Tu es mieux Moussala. Mais bah toi là c'est quoi bah se plaindre pour biso to bomi musala et pourtant so to coincé bango bon pour coincé na terme public mais to sali en sorte que to gérer bango musala les conditions ça bien bah conditions c'est bien moi là au moins la petite différence c'est allé et moi je pense que les artistes il faut pas restructurer ma orchestre c'est vrai ata ba comme que c'est bango contrat aussi me ça son nini bah toi no ki makaka mais au moins il faut to veiller na ba paramètres Fabregas n'a pas vraiment tous les moyens, il y a aux ala fouetter, ningi wengi bandons ala fouetter à l'époque, na ba fouetter ba musicien, ningi ba quartier la té bandons ala fouetter. Il n'a pas vraiment tous ces moyens, faut tout le ba vérité. Donc du coup partir comme ça c'est détruire d'une manière ou d'une autre aussi la carrière de l'artiste. Voilà, l'obka lobine so lobi annoncé biso concerné le 2 janvier la fikine. Le 2 janvier. Donc le dimanche prochain. Donc, héritier a bétail dimanche hier, il y a bétail dimanche prochain. C'est une très bonne chose. Eh bien, ça, la promotion, moi, en bas, le village, il n'y a pas de donc. C'est une très bonne chose. On a reproché à Fabregas depuis un moment, il se produisait presque plus à Kinshasa. Et lui, il s'était choisi un endroit où il n'est pas trop proche, il y a grand public. C'était bien, Naboul et Papa Chéri, c'est créé une classe de gens, c'est créé une catégorie de gens au Bayran là-bas concerné chaque week-end dans la ville. C'est très bien. $100, $200, les musiciens vivent parce que beaucoup déjà l'album est bien raté. Donc, on vivra plus dans le concert. Dans mon équipe, dans la même ligne, dans mon équipe, je crois, dans un grand hôtel, à l'hôtel Kobeta, hier, le 25, dans le village chez Timba, c'est une très bonne chose. Et la ville, Gombe, tout ça là. Mais tu as dit que parce que tu conseilles ici la couvre-feu, ça va bloquer dans là. Il fallait que ça le conseil à mon public. Non, système qui soit bête, bête, bon, et moi, terrain municipal, mais ce n'est pas la banane, comme un éternel chantier. Et si là, tu es. Et moi, je dans le stade Vélodrome de Kitambo, mais là, occupé que Vélodrome, on va comment aménager la carte, donc, ma concert Penza, et comment est-ce que je suis là. Fiki ne Fabregas est natif de Matete. Il a une forte base dans Matete. Fabregas attend à la Saint-Théophile. Ah, c'est la bisou. Donc, à ce moment-là, on a fréquenté l'Emba. Fabregas, musique dans Matete, il faut imposer une partie à Kisenso. Parce que Kisenso, dans le rôle, il y a un prolongement. Le prolongement, il y a Matete. Bon, les lots qui sont comme des enclavés, mais à l'époque où ils étaient enclavés, ils étaient posés au transport dans Matete. Moi, je ne sais pas qu'ils sont là. Il faut aller par Matete, poser au transport, c'est maqué. Moi, je ne sais pas qu'ils sont là. Victoire, donc, toujours qu'on est par Matete. Les lots, moi, ils sont des enclavés. Nous sommes là, ils sont là, l'hôpital d'État Batonga, donc, c'est possible pour lui. Partant, la logique, il y a, Moutouyon sera à la base, tout le monde est fatigué. Aki na kabe yaka mwanga, aolo ba mwanga na chiluba, na mbujima ite me na kabe yaka mwanga, epsi bango, ke, c'est vrai, toi ba ndeko, depuis kalafayena ya kouta anabino me, ba este, ba guerre, ba nini, j'ai préféré na yana kousi sa wapwama, après na yon ka ba ndeko nanga desa. Donc, epi na ke kote wana ashe bango, Fabregas pa na ashe bango na Matete, donc, ba tumusu ba oyate po ba linga musique ne kaka, mais ba oyate parce que ba ebi ke, mwana ya kote na biso, me konser ebe ta ma pe non lo ya kote na biso, tout Matete toi pe faire fiki na pied. Tous les Maltais, à part peut-être ou ta campus, peuvent faire qui fikin à pied. Parce qu'on a banga bawana, il y a déjà Pembe Niwana, Bamombele, il y a déjà Pembe. Donc c'est possible. Conserver ta manon. Mais seulement, n'engue ceux qui pensent à l'oba qui bon, qui n'ont pas ça la promotion, il y a mbang mbang. C'est conserver ta manon, il y a mbang mbang. Il y a mbang mbang pour notre temps, c'est un sous-mingité, donc ça promotion moi une semaine. Une semaine, il y a mbang mbang, au fait.
organisation de mes contacts avec les Kanyos. Fallait avait demandé à Beta concert à Kinshasa à Zoya Place. Na concert public tant à Beta tour Alboso. Mais et au salaire avec une émission en fait à 5 ans que non son moyen ça va pisser fiki na la besoin Beta concert pour là. À Zoya Kangote. On a tout Isaac prévu Beta na et pas Beta choses à souvenir. La Rotana. À Beta Rotana Lelo. C'est quoi Beta choses? Ils ont un hôtel là-bas. Mais oui. Sauf un concert, en plein concert. Avec non, bah tu vas y aller, bah bien si, moi beaucoup de zades. Semaine prochaine, tu vas être concert pour ça. Annonceur à Bimioana, tourneur à Bimioana, bah sponsor à Bimioana sur place, là, ça. La semaine prochaine, Romeo Golf, carton, même décoration, à celle-là on se clip. Il y a idanini animation. Au moment comment les temps peut jouer pour un artiste qui est structuré. Moi, je ne vois pas le temps au Fabrice Abi et ça coûte une semaine, c'est suffisant. Ok. Seulement l'organisation et la structuration n'est qu'au définir les restes. N'est qu'au la que ça réussite nango. Parce que risque nous à cause à la suite concert il a fallu na Romeo Golf et si maintenant on allait dire ah. Par contre, moi, je vais déjà les mains. Tu as annoncé qu'il y a une semaine avant, tu vas être en bang bang. Concert à Fikin même. A outa suki potu na yetu ebi ke a obeta concert na Rome na nini na ah comment on dit na Rotana et puis il va passer à autre chose. Ah ben na zong il a tourné na Katek. Tout d'un coup tu vois na tout mon arabe oui. A beti kuna Rotana paf va poster Fikin une semaine avant Pega. Et puis aya to biso tout yo sala derrière na concert on a Fikin au moins il commente ce que là qui carton plein. Mais on dit maté que n'est-ce pas ça une semaine de basse l'union soir. Sécurité. Et assurer que même bateau qui concert wana to yo qui ba dégré ça la majorité. Contrairement quand on a concert il a fallu il y a 2018 son abo santé sur 2019 ou abeta na même fikin nga na zalaka wana concert le 2 juillet et zara maman a des ordres na souka fallait assister concert à l'époque je vivais j'habitais encore à na lemba mais même quand fikin wana na nova na lemba foire en fait biso zaba na quartier non oyé na au boulot na yo aussi sur bigo zo na quartier. Oui, nous avons été pour ce que nous avons fait. Tellement que tu as un concert avant. Généralement, nous avons mis un concert à Fikin et que nous avons fait 1h du matin. Il fallait que tu aies un concert, je crois, 21h. Avant, nous avons fait bon, nous avons fait un concert. 21h, 22h sur la bourse. Des ordres de main, c'est terrible. Parce qu'il y avait insuffisance, il y avait argent. Personnel pour la sécurité. Mmh. Moi je crois, tout le monde qui a une semaine de structuration, organisation, si les staff Fabregas est vraiment organisé, qu'il y a un producteur, tout en tête, il y a un moment où tu as produit, tu as un moyen. Tu sais, avec les moyens, on peut tout faire. Mmh. Les temps, oui, mais avec les moyens, on peut compasser. Et donc, il faut tout ça pendant une semaine. Vu que tout ça a 3 jours, mon abisso, il faut et permettre pour tous les jours rebelles de concentrer en sur ça on peut avoir un podium babi qui non pour nos zongo et comme il retard mais si on met les paquets on va te trouver un podium voilà. Pour avoir les instruments une semaine d'instruments pour les a passé mais si tu mets les paquets on va te trouver ces instruments là. On a vu même certaines organisations instruments longue qui nous qui brasé mais tu conseilles oui. Moi nous on a vu ça bablo kaba braliment on a non c'est qu'on pour dire que c'est possible hein, tout en détente. Mais tout ça, plus voilà. L'organisation. Voilà. Et moi, je souhaite plein succès à Fabregas. C'est aussi une très bonne décision. Mais la décision, c'est que dans les concerts, tout ça, la paix promotion d'Abisson. Dans les concerts, on redéveloppe les rapprochements entre l'artiste et ses fanatiques. Parce que c'est parmi les moments cultes où et permettra à fanatique de simba artiste d'abord dans autres. Et moi qui t'a rawana yembana bango c'est parmi les moments ba senga ba lo ban artiste mo likambo a sa li interaction direct ayo ki bango pemba moko nous on a vu à Maluku Fally pour ba ba ya ko mba kombo ba tse papier azui a bwa ki muta fanatique moi on est à koufa a filmer Fally zo bwa kayé pour ka ya komi komo na papier te. On a vu ça nous on a vu ba fanatique ba oyana concert ce qui hérité à lobby tant te bolingi to veterno sikoni na te bwa sengi nzene. On a demandé quelque chose et il a exaucé sur place ma vie Nabiso. Ça crée et ça redéveloppe quelque chose dans le cadre de fanatisme. Ça nourrit le fanatisme. Donc la décision au Beta concert au Fabregas Azu, c'est une très bonne chose. Mais seulement d'un côté, ça concert, où ils ont joué la faveur. Mais de l'autre côté, nous vivons
na époque où l'artiste et musicien va développer le Komoko, quand je fais ma carrière, je dois soit directement, soit indirectement avancer dans l'ombre et à Mutumoto, comme ça on a une comparaison. Bon, le col a fallu à Betaka Fikin, hérité par Autobeta Fikin, tu comme comparer des Fikin Noana. Le col hérité Autobeta Fikin, Fabrice Spa et Autobeta Fikin dans la même période, tu comparer en haut. Du coup, l'artiste va commencer à la moins forcing. Et ils ont la moins du mal à s'assumer. Ils ont la moins du mal à vous la vraie. Tu es bien, 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 parce que vous tenez à tout pour que tu es bien, tu es bien, tu es bien, tu es bien, tu es place tu es bien, tu es bien, tu es bien, tu es bien, mais dans la boîte, tu es bien, c'est lui la plein, il y a là qui pointe, qui prie, et puis à renforcer la sécurité, tu es bien, tu es bien, l'autre plein, il y a là qui est bien, tu es 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 bien, tu il y a polémique et puis les autres vont venir t'appuyer, t'encourager. Tant qu'on supporte les autres, on supporte tant les uns. Parce qu'il y a les uns et les autres. Les uns c'est avant, les autres c'est après. Mais puisque les autres, ils ont un encouragement à la veille, ils ont un sincère. Mais les uns, ils ont un escalier. Quand ils vont arriver au créneau, pour pas que non, mais il y a eu une différence, c'est vrai qu'il y a eu côté bateau fêlé après, mais l'autre avait vraiment respecté Guichet. Là, c'est comme Amabé en voilà. Donc, le bah, concert public, ça joue en faveur de l'artiste, mais ça pousse aussi l'artiste à s'assumer, à s'attendre à bah, retomber dans haut, mais aussi à tester la grandeur non, publiquement. Est-ce que Nazaka Gato Nazate? Pour après, bon, c'est bien qu'on teste sur YouTube, qu'on teste sur Instagram, qu'on teste même sur le site de vente, sur le streaming, sur Spotify et autres. Mais c'est aussi mieux de tester sur terrain. Les lois, on encourage tous les décollages aux artistes. Bon, ça, là. On voit Inosbi faire carton dans le pays à Zokenda. On voit Héritier, tant soit pis, il commence aussi à se relancer dans le concert à Libanda. À l'époque, on voyait Fabrice à Bandé, puis qu'on aimait moins bien Libanda. Ils sont vraiment bien accueillis, les bananes de Baokenda, également Fali et tout. Mais aussi à la base, ah ouais, il faut te remotiver l'artiste en ambition de tester la fanatique de Baokenda à Kinshasa. Parce que la vraie force, on puise ici. La vraie énergie, ça se trouve ici. L'assurance de continuer ou de la remotivation, si photo le bas, ça se trouve ici. Donc, un artiste qui décide de découper ta concert, ah ouais, bisou, il faut t'encourager. Ah ouais. À mon niveau, Azali, à mi sa réponse, y est moko, à y comment réglementer mon salaire, mon salaire, ah ouais. Parce qu'en vrai, tout le monde concert a fallu pour que tu aies un commentaire. J'ai réussi à déduire quelque chose dans 4 soirs. Oui, oh, je pense qu'à la fin, ouais. Oh, non, à la fin, je vais révéler quand on va parler de ces concerts. Mais force à Fabregas qu'il soit juste préparé. Voilà, Thierry Mouba, hier, c'était le 26 décembre. Je suis dans la Marmbebe le 26 soir. Je pas message, je n'ai pas anniversaire. Maman a habité sur une place où maman me demande à ton aïe. Ok. Ah, pardon, je ne sais pas fort. Bon anniversaire, maman. Merci vraiment. C'est quand même une très bonne chose. À nouveau, je veux te souhaiter, maman, un bon anniversaire. Hier, c'était son anniversaire. Donc, voilà. Thierry Mouba, hier, c'était 26, comme je disais avant. Tendance de la sortie va lui balayer. Ils avaient 3 projets faits. Il y a un moment où tu es limité. Et DJ Abdoul. DJ Abdoul, là, c'est respecté quand il est allé faire ça, là. Pas plus, pas moins. État d'esprit. DJ Abdoul, c'est respecté. Il y a aussi Koufi, Tokundaï Kassi. Tout à Koufi de la Sega Bébé. Ah, ok. Moi, j'ai fait le tour habité. État d'esprit mortel 06. État d'esprit, il y a une partie dans YouTube. Une partie, parce que quand on la musique dans YouTube, c'est difficile. Okay. Pourquoi? Parce que moi, Pour que les artistes gagnent, je préfère aller sur Spotify et streaming. Au streaming, tu peux verrouiller ton téléphone. Spotify avec MP3, ils ont la possibilité de télécharger Spotify. Ou la musique dans MP3, ou est connecté à la Wi-Fi. Mais YouTube, je m'excuse, sauf la musique par exemple, sauf verrouiller et cater. C'est comme ma peine à YouTube, tu fais la rare. Donc, c'est compliqué. Il y a un monde qui est salé. Non, il y a un monde qui est Spotify. Ok. Peut-être que ce soit écouté après émission. Mais écoutez, donc, il y a une partie
une très belle chanson, mais pas très banale dans ce pays-là. Donc, il remix Vassali à Autotarazio, à Imana, Fali, Toro, Bamiona, des pliques. Donc, il y a un peu de temps dans la il y a Naomi Campbell. Meilleure chanson pour Nanga. Merci, Bakanga. Naomi Campbell. Ah, vous pouvez nous placer un point. Ça ne fait pas saison, mais. Ah, bien au moins, pervers. Kala, Makas. Donc, à part Wana, on peut faire pas de rame, mais j'ai pensé là. Ok, Naomi Campbell, ok, Souni. Naoki. Naoki Nyoso, hein. Doremi, hein. Naoki Nyoso. Doremi. En fait, les chansons que j'ai, qui m'ont beaucoup plus retenu, il y a un mot générique, Nango, Natalina Clip, Nango. Puis voilà, dans l'ensemble, Naoki, quelques chansons et deux albums. Apparemment, il m'a félicité juste qu'elle a la clip et Bimi. Ma big clip, ça a piqué. Ok. Il m'a dit ça. Ok. Et quoi, tu le bas? On va te poigner. Ok. Bon, moi, tu as un embarras de choix. Tiens, oh, le bas. Tu as vu que le bas m'en va bien. Tu le bas m'en va bien. Ok. Sinon, moi, dans l'ensemble, je félicite Inos B, je félicite Céléo pour le courage seulement. Il y a un Bimi sans fin, un album. Tu sais, Céléo, comme je vais commencer avec lui, c'est quand même c'est une histoire et animation congolaise. Céléo, comme c'est parmi les personnes qui ont su imposer mode de vie mon groupe animateur. Il faut vous en avoir Céléo, il faut vous en avoir Bill. Il faut vous appendre à Céléo, timbre à la claire, Céléo Scram. Namboka o la récupération autour d'un cri. S'il faut citer ba cri, on va tu ba wele la kango ko imbiko na ndombolo. Té ko imbiko za nze moma bangale mama. Té ko imbiko déjà ba tu na tout monde ko dernièrement na ndombolo ni ba poster ni vidéo makala. Ko imbiko ba bi ezaka na ko ya yete tout ça. Après toutes ces années, les gens tournent toujours autour de Koimbiko. Donc c'est comme pour dire qu'il a quand même inscrit d'une manière indélébile son nom dans la musique, dans le côté animation. S'il faudrait tout dire un grand merci comme ça à ceux qui ont contribué objectivement. En fait, la musique, à part les mélancoliques, à part les cadence à deux, mais les côtés soukous, les côtés ndombolo, batoba lingango et kenda nabiso tina. Na UNESCO. Il y a aussi Bill Clinton, il y a Céléo, il y a Tutu Kaluji, il y a Juna Mumbafu, il y a Robert et Kokota, il y a Atalaku, tous ces noms. Est-ce que tu as dit que les gens, dans la Côte d'Ivoire, sont comme ça, tu fais les Atalaku. Ok. Alors, je disais, ils oublient que, pas dans le Atalaku, ils ont dit combo et amout. Donc, ils ont dit combo et amout, ils ont dit que Bouaka, pendant que tu as dit Bouaka, ils ont dit que Bouaka, ils ont dit. Okay. Donc, tu portes même un message dans la carte de la clé. Mais la génération est comme ma biso qui est imposée dans la Côte d'Ivoire. Cette génération, c'est Léona Babil. Et peut-être Robert Eko Kotate. Chacun a apporté part dans la construction, sa petite pierre dans la construction. Il y a Ndakoto Robin dans la musique congolaise. Et c'est quand même un courageux qui a fait son temps. Mais avant qu'il s'endormait tellement sur ses lauriers, sur ses mérites-là, au point qu'il est désorienté, qu'il est carrément. Du coup, pour parler Céléo, c'était maintenant devenu une obligation. Il faut embasser l'on émission à clasher Fali, à clasher Ouera. Bah, même que Bengi Mutavivaka n'a pas assez. Donc, il faut qu'on enregistre à Tonga, Ferré, ton héritier. C'est tout ce qui tourne autour de l'artiste. Céléo, entre nous, soit dit. Et pourtant, la voix qui criait à l'époque, pour le boire à cri, il y a un cas dans Céléo. La personne, les charismes, les bilamba. Il a tout ça jusqu'à présent. Mais qu'est-ce qui faisait que John Otto Mobeta m'a souvenu n'a passé? C'était le courage qui manquait. Le courage parfois et ma garabiso pour nanini. Ah, on a pensé à ça, on a sa émission, on a commenté, on a réagi très intelligent, tout ça là. On a connaître un moment de déclin, tout moment où il y a turbulence et que on a couillé. Quand on a couillé, dans ce temps-là, est-ce que son a télémi à battre au secanga tenir la koi tenir là là non battre pas beau ça n'a qu'un koi qui pendant ce temps Ozo continue cola là na verbe balobar c'est lui qui n'avance pas recule. Maintenant à combien plus forte raison c'est lui qui recule parce que le simple fait de ne pas avancer et que au stagner quelque part biso tout est magina yo na même ligne to le kanio bah les que bazaki na simana yo bah yé bah le kanio maintenant si quoi yo yo mto Ozo reculer. Bato les cas qui aux hommes qui vont balayer quoi,
bato bande ko yana sima balekyo bato no bakomi ko na point de départ ils vont te dépasser parce que yo ozo sanini ozo nga sima. C'est ce courage là des fois qui manque, on se dit ah maman oui changer, les réalités ne sont plus les mêmes, maman me comme serré avec ma événement et ma réseaux sociaux bani, moi j'ai un peu une perte de vitesse, tina kotaka tina s'imposera yozelanga impossible, du coup je vais trouver une zone de confort, voilà, où je vais m'installer navan nangan zone de confort comme une ben émission y a pas classe. Non, vous répondez pas, vous n'avez pas commentaire Instagram. Maintenant, puisqu'il a osé sortir un album, je sais que il bêta peut-être un des critiques. Ça va jouer dans deux volets. Les premiers volets, c'est tout naïe moro seléo. Il va comprendre que non. Na sali quand même et moko un pas d'avance. Parce que le problème, c'est un problème de faire les pas et d'avancer. Mais puisque je n'avançais pas, na ça peut pas moroter. Mais na sali pas Robin album. Il a chanté certaines personnes au bazar et dans ma coquille. Moi, je pense que dès le moment où nous allons commencer avec la promo, il y a un Zemo Yembeli, moi aussi, il y a dans tout le bas, il y a une des collabis aux États-Unis. Je n'ai pas de date. Je n'ai pas d'avancer un album. Ça, c'est un. Mais de deux, ça va aussi donner le contenu tant qu'on est en émission. Voilà. C'est vrai que je passe dans une émission pour clasher, par exemple, pour provoquer ou piquer un artiste congolais. Mais j'ai quand même un contenu, tu as un message à passer, à montrer aux gens. Voilà, il y a l'album qui vient de sortir, État d'esprit. État d'esprit, ils ont contenu autant de titres. État d'esprit, tu as là, tu vas toujours jouer dans un style tel. État d'esprit, par exemple, on a touché telle thématique. Il a maintenant du contenu. Il a quelque chose à proposer. Donc, on a volé un agneau soumis balai. Ça va maintenant jouer dans la carrière, naïe. Parce que moi, je pense que la carrière d'un artiste musicien comme Céléo, c'est les albums, c'est les chansons. Et non, les pics, les émissions. Imagine, moi, je suis le roi des interviews. Dans la level, un artiste comme Céléo, mais par contre, je suis le roi des interviews. Oh, hier, je suis le roi des Koimiko. Parce que c'était une œuvre, parce que c'était quelque chose de réussi. Et le roi bini sabiso. Mais le roi bengé le roi des interviews. Tu ne sors pas des chansons à succès, tu ne sors pas des albums, mais on t'appelle le roi des interviews. Tu communiques quoi dans tes interviews? Pour un album, tu es dans le marché. Après l'image, on a payé ma pique, na ba clash, na on est tiré là bas dans mes tours. Moi, je pense que au moment, l'image, on a pas. T'es à balayer en côté. Eh, c'est pas facile. À balayer pour mon salut. Yo, ça c'est que c'est la seule émission. Bah comme ici, le Oscar me parle de état d'esprit. Sous un album, yo talent. Ah, tu es mauvais poil. Bah, tu sais, pendant l'attaque, pendant que c'est le état d'esprit, ça sous un album, boy, quand on boit, attaque, moussou, c'est le scram, pendant que n'a boit tout ça là, n'a rien à l'accès à tout que non, la paix maquito, bande mon anga kala yango et zoni. Oh, t'as la tête. Mais son botaille, t'as pas de courage. Attaque, bimi, boy. Bah, t'as bandal, bah, quoi, ça rabino. Tu gardes, bah, on décourage, mais je veux faire ceci. Hier, on voyait ces choses avec Héritier Watanabe pour son premier album. À l'époque de son premier album, mais pour son deuxième album, on n'a pas vu ça. Si on est au moment moi la petite incompréhension, moi, mais on n'a pas vu ça. Donc c'est possible que s'il fasse sa carrière, reprenne sa carrière, sans pour autant azala bloquer les logos moko ont imposé bah clash, bah pique à temps plein. Mais sinon bon vent et plein succès à Céléo Scram pour cet album qui vient de sortir. Pour les Kainos B, je pense que cet album va offrir à l'artiste Innocent Baloumé une expérience de plus. 15 titres sans featuring. Ça, c'est déjà le premier élément. Mais Innocent Baloumé, il y a combien de chansons? Il y a combien de featuring? Oh, il y a eu. Il y a une bande. Oh, à Beng Sabatou. À Beng Sabatou, Fali, Diamond Platinum. Bon, Diamond, photo mais ils ont Innocent. Mais quand on n'est pas d'aïmon, ils ont dit bon innocent. Pour yo peuple, c'est bien innocent. Mais une chose. Damso. Na kofi pe hein. Na kofi na wera. Papa, on va y mettre kofi mbongo. On va y mettre na wera. Ni ni eloko. 5 collaborations sur la bosse santé. Il y a moins d'abord au monde qui se concentre tout le temps nous compter les chansons à succès de Innocent Baloumé. La bas chanson à succès d'aïwana. Tout de suite, il y a moins 5, pour moi, il y a 5 qui ont pesé ma tasse. Je ne parle pas de ces chansons d'une manière générale, mais ma chanson a succès. Je me suis dit que je suis un peu plus de mon boulot, je suis un peu plus de mon boulot.
Parce que je suis en train de me dire Anita Moharab, mais je suis en train de me dire Anita. Ok. Il faut vérifier. Bon, on a 5 ébélés. Il y a un moment où tout ça s'est tourné pour 15 titres sans collaboration. On avait comme l'impression que la carrière de Innocence était chanter seule, mais chanter aussi avec les gens. Le départ, c'était on a plus reconnu Innocence B et non Innocence Balou, mais on a remix. En fait, tant qu'il y a un combo Innocence B, ils ont dit qu'il y a un peu. Na clip wana chez Rosane eloko 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 bakota ba sai sai na clip bakota ba tu omona Innocence B wana to pota na moto benga no Innocent moto benga Innocence B ti après to s'asseoir penza po dana ba chacha comme déjà Innocence B ayo imana ko fe lengambo ayo kontue banze moné mais amoko diamond esa parmi ça dit ba période ba temps fort à carrière né ayimbi na wera na kofi. A continuer à faire mon succès, succès, à y mettre diamond et Mathieu sur net mon niveau. A continuer à faire mon succès, et madame Damso, au moins, il y a une image, il y a beaucoup d'ailleurs, il y a fier, il y a beaucoup de Damso, il y a beaucoup plus streamé parce qu'il y a une madame Mouto, il y a un streamer déjà. Et ça, il y a une étape, il y a une vie. Et il y a une étape où sortir 15 titres comme ça, sans collaboration, il y a un moment où tout le monde c'est énorme. Et pourtant, c'est très naturel, très normal pour un artiste comme Innocence B. Bande qu'on est artiste et musicien, belle bas sala sala, on a logique à Congo les bandes. Mais seulement, il va faire une très bonne expérience dans le sens, que maintenant là j'ai plusieurs chansons. Faut dans ça la promotion, sur la message qui y a pas bimé dans ça les promotion. Si nous sommes sous ceux-là, mais après. Maintenant là c'est pas le cas. Bande pour tout est bimé. Clipper ou pas clipper, ils ont signé nga promotion. Clipper ou pas clipper, ils ont signé nga na lobele yango. Là maintenant, je n'aurai plus à passer sur un plateau pour parler d'une seule chanson, mais pour parler des 15 titres. Je dois maintenant dessiner, faire les traçages à la promo. Commencer avec quelle chanson. Telle a été la résolution, le bagnoto banano comme ça clip ya telle chanson. Des mêmes pé résolutions ça la to banako lobela d'abord. Oyo parce que même dans les médias, dans la radio, quand on veut faire passer les chansons to ponaka. Moi j'ai travaillé dans monitoring à artiste belé au poni ba chaîne à radio parce que le meilleur endroit ça la promotion c'est l'internet et la radio. Okay. Pas la télé en clair, ça on connaît depuis la nuit des temps. Quand il faut faire la promotion, tu prends tel sur autant de chansons, il y a des bandes de bêtes en ligne. Et puis après, tu as roté. Tu as dit, tu as dit, tu as dit, après, tu as dit, c'est le grand travail qu'il est en train ou qu'il doit maintenant faire. Et dans le cas de voilà pourquoi mon bolobi, nous avons mis sans pique, sans boyer. Parce que s'il fallait se. Rester focus sur une seule chanson, sortir les clips, sortir les sons, il faut mettre tout y mettre. Moi pique, moi loco, même tabé banana. Même. Na yopé, même. Ah, yopé, oui. Taba des aïe qui wana banine, tu as la tie couronne. Ma commune a des tabas, quoi, tambour en abon. La mon en piqueté. Yo mon en piqueté, mais kouna yopo mon en pique, le roi batignos. Tant que commune a commune abon, le roi l'on lié couronne et l'on pique. Donc couronne des aïe pique. C'est là où les questions se posent. L'artiste a sa manière à lui propre de communiquer. Il a compris qu'il doit jouer une carte qui lui va à merveille. C'est ce qu'il fait. Et il évolue pas mal avec logique, on a ce beau remarqué. Seulement, les problèmes se posent un tout petit peu dans le niveau. Il y a la lecture où l'artiste annonce ça là, envers l'artiste. En place de voir les pics et tout ce qui va avec, moi plutôt, j'aime ce qu'est une espèce de résolution. Jusque-là, ça ne se sent pas. Mais il suffit aux amours aigles, au monde en haut. Ok. Ou à percevoir de loin et le croiront. Les griffes du tigre, Bamanzaka, le tigre, tout ça là, au monde le bel Innocence veut se créer fanbase, mon copain. Au bas à la forte. Au bas stable, au bas nous sommes, au bas nous consommer, sans pour autant, bah où t'as pas bah artiste et moussous. Innocence B veut vivre comme les warriors disent, Fali ou rien. C'est vrai aujourd'hui, Fali peut compter sur les fanatiques de Lokwakanda, sur les fanatiques de Diamond Platinum pour Petit Naye. Tout ça, c'est un rapport. Bah, viens avec toi à l'arabien, bah, master nous à l'arabien. Mais il compte beaucoup plus d'abord sur ses propres fanatiques. Parce qu'il sait que j'ai une communauté warriors. Mais Babilo, tu as un siècle internet, tu as un siècle il y a force, il y a jeunesse, dynamisme, vigueur à jeune. Il n'a bien compris la chose. Et retiens bien cette émission.
C'est la seule chose qui va réussir l'album de Inos B et qui va assurer le devenir de Inos B dans la logique de l'album et non de la single. Inos B, à chaque fois que l'album, il y a un compte dans le béret vert, dans le béret rouge, dans le béret rouge, dans le béret rouge, dans le béret rouge, dans le béret rouge. Il va commencer à compter sur ses propres fanatiques à lui. Parce que le vrai problème qu'a connu Inos B, c'était quoi? Il fallait que les fanatiques de Ferre soutiennent, les fanatiques des héritiers soutiennent, les fanatiques de Céléo soutiennent, tout ça. Parce que Bayo Kanakate n'a fallu. Les propos où Inos B a retenu, ça prend la forme et repiquer fallu. Au moins, Petit Bimi Moto Gachi, il se tout soutenir. On voyait même certains porte-parole, on voyait même certains émissaires des artistes parler pour Inos B. Mais ce côté entre Simba et tout ça, peut être Inos B a bétail. C'est-à-dire les côtés faibles on a dans un ango, n'est pas qu'un encouragé. Mais Adam ça n'est moins mon qui a obtenu des côtés on a obtenu bien. Mais ce tout comment soutenir. Et pourtant toujours soutenir yo tes potes lingui au réussir. Mais toujours soutenir yo parce que ce c'est l'homme tout ça incapable en ça là, na adversité tout se lancer dans ango. Mais avec le temps Okoma tellement mounene que okoma adversaire na biso parce que en soi to lingi batanga kombo adversaire nanga mais nga lokona obuna na bien te mikolo na lingi petitement aussi te soutenir moi ça moko aussi te soutenir pendant ce temps tu te crées de la place ce qu'on a mature au se jouer na biso pendant que biso toujours calculer tout se jouer na yo. Inos B a fait preuve d'une maturité pendant que les artistes cités tantôt ici pensez utiliser Inos B pour leur propre intérêt. En contrepartie, les petits garçons banais comme on a, les jeunes frères, les qui n'abissent pas nos benga, c'était un leader, quoi ça qui une prévision à venir, à profiter nango, à se créer de la place pendant que Belé Baba comme sa album, il y a bien mis album. Pendant que Belé Baba comme sa album, Tobé peut-être ma solo mais Tobé ta ma solo nae. Ote Inos B, ote Céléo, il y a pas photo. L'album de Inos B dépasse l'album de Céléo na qualité sonore et puis en termes de visibilité. C'est vrai, soit ton côté na YouTube au moins na bar pour t'en. Parce que awa, je dois le dire, Nazaki ko capturer ton avant tout à l'heure à l'album en haut. YouTube pourquoi? Parce que YouTube c'est le stream très proche, plus proche des Congolais. En tout cas, YouTube c'est ce que les Congolais utilisent beaucoup plus que bah nous sur Etikali. Mais si on continue dans YouTube, on place au monde que non, tant que je suis un clip, mais je suis un peu à mon boulot. Voilà pourquoi tu as encouragé 1 million de vues et héritiers dans 100 na YouTube. Et puis, je suis un YouTube, je suis un peu à mon boulot, je suis un peu tout le temps. Robin, je suis un peu à 700 000 vues. C'est un peu de temps. Héritier est où? Ce qui est 100 000 vues, il y a quelque chose. Mais somme, il nous subit 17 heures de temps, 208 cas. Na clip, s'il vous plaît. Il nous subit déjà 500 cas dans une journée, donc il y a 1 million. En fait, il y a un peu de Facebook. Ah ouais, il nous subit. Il y a un peu de temps. Il nous subit Boutou, 69 cas. Il nous subit. Naomi Campbell, 44 cas. Inos B, Kweli, 42 cas. Inos B, Adje, 89 cas. Au moins, on a vu que Ezopotana ya somo. C'est le de somo. C'est le scram fit Christian Bella. Christian Bella, t'as la main bien à YouTube. On s'en va pas, mais c'est pas ça. 2,727 watts. Elle a 27. Ok. Binou, beaucoup de choses à bâcher. C'est le scram au retour d'Angoul, 6 cas. C'est le scram baleine bleue, 1 cas. C'est le scram chauve-souris, 2 cas. C'est le scram baleine bleue, clip, 18 cas. Déjà un jour. Mais l'émission a 50 000 vues, 100 000 vues. C'est comme pour dire que le travail devient de plus en plus énorme. Il faut maintenant comprendre les poids que portait Ferrigo là. Voilà. Les poids que portait Fali Poupa. Les poids où Bango Bané portait sortir un album et se battre de façon que l'album ait ça le succès. Na YouTube, na Spotify, na ba site à vente, na terrain également. C'est un grand travail à battre. Et moi je pense que l'album Babimisi, et vous allez une très bonne leçon. Si on va changer de discours, pour Baba Congolais, pour Baza Esprit Wenge. Mais bon, et qu'on change Bango Katina Bango. Ça va développer le respect envers Bato Babouna déjà. Il faut respecter les gars qui ont vécu. Il faut tout respecter Bato Babouna vécu avant Bissot. Et cette sortie à l'album, moi je pense que c'est une très grande école. YouTube, on toujours comprend des micros.
pour les artistes congolais très mika katana. Affaire bah dislike, on a pas mal YouTube azo fiche sur dislike, t'es chéri mon bal. Ça prouve à suffisance que Inospe était très focus même na pour travailler l'album. Il n'a pas su que YouTube depuis un moment algorithme nango dans certains pays, dans certaines vidéos. Bah dislike et bima assusté. Dislike pour mon nango. Faut qu'on ait YouTube Studio. Inospe, bah tu vas chercher à nous. Bah qu'on ait YouTube Studio. Bata la kuna kata YouTube studio ba mona ke no wana ba dislike ebele eh izo afficher nete mikolo wana ba dislike ebele bazo afficher nete donc ba salio erreur ya permettre yo communiquer ke no nze mona izo dislike te c'est vraiment comme que comédie ebele a place ba garçon moro ya comédie a se moquer na ouais ça bon to comprendre ça moto ko za peut manque information mais tellement artiste aligné tout tourne autour de l'album il fait parler de son album ba mona on peut ah ça c'est une exception. Et dislike zanga. Peut mon bateau batala ngana ba. Bateau batala ngana ba statue ba mon ndena no poster. Na poster film a Yesu ezanga ba dislike. Na poster film a Mahomet ya ba dislike. Na poster ba chanson chrétienne za ba dislike. C'est-à-dire tout. Félix Tshisekedi dans sa discours et les en direct na YouTube. Ba dislike yango. C'est-à-dire mboka dislike mokili toi mokila dislike. Jamais l'on peut gagner à l'unanimité ba tout ba sepela nango. Déjà il fallait qu'il réfléchisse autour nango. Et puis un youtubeur, enfin, bah, faut pas aider Bino dans le sens. Voilà pourquoi toi, il faut tout aider l'artiste dans le. Ne vous fiez surtout pas à ce qui s'affiche. YouTube est la partie apparente et la partie technique au YouTube Studio. Il faut toujours travailler avec ça. Pour la croyer, bah, évolution à chaîne. Il y a même des moments où YouTube, son algorithme est bégayé. Au moins, il y a une évolution bah, vue et salaté. Évolution, même il y a un nombre d'abonnés salaté. Mais ceux qui sont liés dans YouTube Studio, tu as la possibilité de voir ça. Il y a même certaines personnes, bah, toi, vous allez remarquer que tu verrouilles qui même le bah, nombre d'abonnés dans Bissot. Tout ça, la faute, c'est que tu as chargé l'artiste et que tu as chargé l'artiste. Il y a une vérification, un blog, un détail et tout. Donc, mais en tout cas, la chanson est dislikée. Ils ont dislike. Ils ont dit, d'ailleurs, moi, un artiste. Si on dit que je dislike, ça va m'inquiéter. On ne peut pas gagner comme ça. Il faut gagner ma critique négative à battre. C'est aussi ce qui fait la force de certaines personnes. Il y a des commentaires qui ont critiqué au Tikéon. Tout ce qui est aussi pour les Arabes insulte. Tu peux pas qu'il y a un dehors, il y a cadre. Tu peux pas qu'il y a un cadre. Tu peux pas qu'il y a un cadre. Mais si on contredire Bisson à propos, tu peux pas qu'il y a un contredire dans les commentaires. Tu peux liker et puis tu peux te dire que tu peux te dire que. Donc pour moi, je comprends maintenant que non, au critiquer, mais na tangi yango, na liker, na muter, mais pour comprendre que non, amoni yango penza. C'est comme ça fait aussi la force. Mais aussi, mais je pense que et lui-même l'artiste étant à poster, au moment que les messages sont très clairs, nga kutu, quand lui parle de marambu ya ceux qui ont liké, ceux qui ont disliké, moi je voyais autre chose. Je me suis dit. J'ai lu beaucoup de commentaires. On a des capturés qui ont des gens qui ont repéré, je crois. Voilà. Pour la première fois de ma carrière, je sors un clip et après 5 heures, je vois 10 000 likes et 0 dislike. Pour un album et l'accueil chaleureux de votre qui l'a fait continuer. Oui, mais c'est aussi un grand étonnement pour nous autres de voir Inospe sortir un clip vidéo après 5 heures de temps, 100K. Il faut tout le bac, il y a une perte de vitesse. Tout le bac, non. Il faut créer habitude dans le cas de surtout les fanatiques de Toto, tout à l'heure. Il faut que les gens aient un projet. Il faut que les gens aient un projet. Il faut que les gens partagent la page. Là, maintenant, on parle d'un album. 15 titres et 15 sons. On a un clip vidéo, donc ça fait 15 projets, enfin 15 contenus, 16 contenus et bimim balamoko. C'est un très grand travail. Il doit plutôt en lier et place de se laisser emporter. Parce que les erreurs sont humaines. Les erreurs sont faites pour que les humains basent la rango. Oui, où les erreurs, ils sont mis avec informé. Je pense que c'est quoi, il y a bah, dislike, mais YouTube n'est pas sur l'accès à dislike. Ce sera continuer qu'on se laisser emporter. Parce que je pense que étant un artiste, les souhaits à la ra, quand on réalise quelque chose, les plus grands souhaits à la ra, que la réussite puisse accompagner les projets. Au moins, du coup, il va plutôt rester focus sur où ils ont réussi et ne pas voir là où ça boitille. Parce que là, déjà, nous avons décelé un problème. Les fanatiques de Inospe ne sont pas habitués à tomber sur un album de l'artiste. Ils sont plutôt habitués à voir un projet. Bah, il y a les projets où on a ici. Mais comme c'est un album, les projets contiennent. Déjà, il y a 16 titres, donc 15 audio, un clip vidéo. Il faut y aller orienter.
Maintenant, si on s'est laissé emporter, tout ça, dislike, tu as capturé, posté. Pendant que dislike est ça, mais il y a une habitude que YouTube a affiché sur ma dislike, et qu'on distrait rien. Et ici, je vais dire tout haut, clairement, sans mâcher les mots, sans passer par les dos de la cuillère, sans tourner autour du pot. Clairement, Inosbi. La réussite de cet album, et vous allez là, exclusivement et artiste Innocent Balou, mais le simple fait qu'il y a sali l'album sans collaboration. Mais l'échec aussi de cet album est aux à la 100% yé. D'autant plus que cet album, les albums Yalibosu et Vinay Oye, moi je vous reconnaître officiellement. Donc, il a besoin des encouragements de tout le monde. Mais tout le monde n'est pas obligé de l'encourager. Il a besoin du soutien de tout le monde, mais tout le monde n'est pas obligé d'apporter son soutien à Inosbi. Tout le monde, tout le monde. Mais il a besoin de la détermination de Inosbi. Donc il doit puiser davantage dans lui, dans l'énergie à Zanango. Quand il s'octroyait des noms, jeune leader, Tigre Banini, je réitère ce qu'est dans le Baka. Ceux qui s'étaient sous l'effet et émotion, toute impulsion, maintenant il doit faire face à Bakombo à Mipesa et réaliser qu'ils ont faire partir dans la vie, dans la carrière. Dans la vie. Il faut être tigre pour âge, sortir un album dans la période à fin de l'année. La période à fin de l'année sera très resserrée pour les albums. Et à part la période où il faut ça la lecture. Inosbi n'est plus Inosbi d'hier. La dernière chanson auteur comme ça va, l'album est Nzemoni. Tout à l'évolution de Nzemboana. Et ça, non, non, Inosbi, n'a rebo. Bah, coqueluche, y'a bah, jeune, oh, bah, jeune, et belle, bah, l'inga. Mais si on a dit au moins que l'évolution de Nzemboana est impactée, mais aussi une autre chose dans 4 albums à Inosbi. Il a touché l'amour, à Embi Boling, on est Bakulutu, on est Bayembaka, à Embi Ambiance, on est Bakulutu, on est Bayembaka. Mais il ne nous a pas donné quelque chose à Messin et Sakibis à un moment donné. Innocent Balou, mais c'était quand on dansait, on écoutait les messages de motivation, on écoutait les conseils. Mon boulot, tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que Inosbi azaki aoyemba yo pe ba pesa yo tobina mais to na katso to so comprendre que aoy c'est parce que il y a rien pour rien na facilité. Tu dois mériter, il faudrait qu'on apprenne à prôner la méritocratie. Ko lingate vandika boye ba bwa ko na émission, ko lingate vandika boye ba kabelo mbongo, ko lingato sa ke lote ba peso mo na ba. C'est-à-dire c'était la méritocratie qu'il prônait. Et moi dans tout ça, je pense que Innocent Balou ne nous a pas donné juste ça. Mais pour le reste, c'est le même artiste, c'est la même motivation. Alors du coup, il doit puiser dans lui et avancer avec force et allure. Ça va réussir. À orienter la fanatique, pour un ministre comme nous, on a soif et on vivra la fanatique. Une très bonne chose. Voilà, nous sommes à la fin de Thierry Mumbai. On a une émission, je crois, si je le veux, lobby ou mercredi. Les lundi, hein? Lobby ou mercredi. Pour le cadeau de Noël, il va y avoir qui va congoler le cadeau le 26 décembre à Fiki. Il faut tout le voilà. Bel je pense que le lobby, ça va nous arranger. Puisque on a fait le mercredi, on a fait moi, je suis un peu plus de temps. 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 Le dernier mot, il y a meilleur vœu à tous les artistes musiciens congolais, force à ceux qui, depuis un moment, ont sorti un projet dans Bango, Robin Mundi, Céleus Kram, Innocent, qui d'autre. En tout cas, ben, tout dans l'ensemble, hein, projet dans Bango, force à vous. Mais aussi, évaluation sur le terrain, je pense que dans ça, l'émission, un de ces quatre, soit l'obité après demain, avec un frère où nous allons évaluer. Bah, musique, nabi, on attend de la fin de l'année. Alors, généralement, Zaki, si on a mis la fin de l'année, on a mis tout. Mais si on a mis tout, on a mis tout. Je tiens ici à dire à Robin Mundi, les fanatiques et les proches en musique, na, oui. Mais Kulumba, en tout cas, notre robot est hanté. Voilà. Notre robot est hanté. Voilà pourquoi même j'ai choisi une chanson. Il y a Inosbi, Naomi Campbell. Et pour Anine, parce que je me disais. Na bitu ezawana na avenema bandeko basi bomonse la artiste gratuitement au promotion na TikTok eza banzembo ekota ka mwa bongo ekota biso boîte ekota banini donc ako gagner côté wana yonga na bengo déjà nini chanson préférée l'album parce que na yebi ke yango eko yo la musapé album c'est Léo tu as un travail à faire frère télé
ne te laisse pas emporter à nouveau dans ma clash, ma pique, si seulement si ta carrière compte pour toi-même, si seulement si ton album aussi représente quelque chose pour toi, également pour tous les autres artistes et musiciens, en tout cas plein de succès à vous. Félicitations pour Fally Ipupa Héritier et Watanabe. La prestation d'hier, c'était énorme, c'était vraiment grand. Je pense que vous avez ce travail, comme ce travail à faire. Et faites-le avec amour, avec passion. Ainsi, nous, mélomanes, fanatiques, culturels, nous continuons à être très honorés et fiers. Et à Moussa Loboza qui a apporté pour l'émission. Merci également et joyeux Noël à toute la famille. À, famille AMTV, vous m'avez appelé, c'est bon, joyeux Noël. Merci, Ko, Viego Belicha, Rijandi Louawa, Bernard Chamala, Irène Bioum, Mireille Flore Oyona. Merci pour la réaction. Pour nous remettre au bang à silence, d'ailleurs. Heureusement qu'il était là. Nadine Mayo, Mayo Yaba Nadine, ainsi que toute la famille Mayo Yabovic, Mayo Poli, Mayo, et bah tout n'a pas si bon beauté. Dire également bien des bonnes choses comme ça. La team met à la patte Mbalongo qui m'embelle, Tati Eric, également Dolph, bah, en tout cas, tu auras la met à la patte, bien fait si bon beauté. Merci à Gnodi Mesa, et également à toi Adassa pour l'invitation. Meilleur vœu, bonne année 2022 à tous et à chacun. Inch'Allah, tu auras un an au Bimba. Voilà, nous sommes à la fin, comme toujours. Donc, dans le prochain numéro, si j'ai cité, on va prendre ça, je suis Ming. Pour décembre, on monte à la chance, comme quand on a souka du bandage. Tout bandage, j'ai envie, ça a 43 jours, ça combien de jours? 45 jours, hein? Mmh. Ok. Moi, je suis comme vous, la caméra, c'est que je dis, mais c'est la réalisation. Merci de m'avoir tenu, on se bat à l'ébisseau. De gros bisous à ma chérie et à mon papa. Donc. Nous avons été la famille au Bossage Lobby et c'était vraiment droit au cœur. Anniversaire à maman, un message dans une zone de la présentatrice. Et ça l'aura tellement, tellement, tellement. Mais je vous aime énormément. De bonnes choses à vous. Prenez bien soin de vous. Vous battez la bagage de barrière pour vous santé. Pour que vous fêtez ma lame. Bonne année à tous déjà. 2022, tout espérer dans le bureau ma lame. De gros bisous à vous. De vous tenir très, très prochainement. Dans le numéro de mon sauce.